Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir derrière moi, je suis sur un parcours absolument magnifique. C'est mon parcours préféré quasiment de France, au moins dans mon top 2, parce qu'après il y a le Chambon-sur-Lignon, mais en tout cas celui de Seignos, c'est vraiment, j'adore. Et comme chaque année, en fait, je joue le Grand Prix. Et donc, bah là, je vous emmène avec moi dans ma reco, mais on va faire une petite reco un peu sympa, on va faire un petit break 80. Donc, on verra si le 18, on le joue en par 6 ou en par 5. Mais voilà, je suis avec Matt de la team Lulu, le copain du Pays Basque, donc c'est top. Et puis on va essayer de jouer sous les 80 du coup sur ce parcours. Donc on se retrouve au départ du 1. Let's go. Oh ! Mais par contre, il y a une fenêtre là, vous voyez. Le mec qui m'amène mon putter, il est plus loin que la voiturette. Mais en vrai, je suis bien. Regardez, j'ai une belle ouverture. Trou numéro 1, un par 4 de 374 mètres, moins étroit qu'il n'en a l'air. Avec un green bien défendu, avec un bunker tout le long à droite et une butte à gauche. Oh, elle est retombée, c'est bon. Belle pointe, ça. Petit hooligan. Ok, bon, bah, il va me rester très long. 229 au milieu. 229 au milieu. Ouais, il me reste beaucoup trop long. Je vais faire juste un fer 5, histoire de m'avancer. Petit fer 5 pour avancer. Le drive était mauvais. Voilà. Tu sais, sur les wedges, il faut faire vraiment des niveaux très légers. Ils sont finalement pas si tendres que ça, les greens. Hein. Non. Malgré la pluie. Il y a un point jaune là-bas à l'entrée. Ouais, de toute façon, ça va être ça. Bah, c'est les positions de drapeau, soit premier, soit deuxième jour, je sais pas. Non, mais je sais pas quel jour c'est. Et le petit par. Trou numéro 2, un petit par 4 où un fer suffit au départ, mais par contre un green très bien défendu avec de l'eau devant, à droite et derrière. Ouais. Donc comme je disais à Matt, là c'est le drapeau. Facile aujourd'hui, à gauche, il y a de la place derrière le drapeau, il n'y a pas d'eau. Donc moi j'ai 101 mètres. Donc normalement ce sera un plein 52, sauf que là avec le vent, c'est un petit pitch, mais du coup je suis pas inquiet. Un demi-pitch, tranquille. Voyons. Voyons voir. Ouh, il a failli la boîter. Un peu longue, elle était pas très bien touchée. Ouais. Bon bah vu que mon wedge n'était pas bien touché, j'ai été un peu long. Mais c'est pas grave, c'est l'avantage sur le drapeau à gauche, c'est qu'on a de la place. Contrairement à quand il est à droite, c'est un peu plus dur. Les greens sont pas du tout soft, hein. Pour le coup ils sont vraiment durs. Ouais. Ça pitche pas bien, enfin, faut mieux être sur le fairway pour mettre un peu de spin quoi. On avait enchaîné 4-5 jours de canicule. Eh ben bon part. Handicap 1. Regardez-moi la beauté de ce trou quand même. Alors bon, Matt te dit handicap 1, mais c'est quand même beau. Hein. Ah, c'est magnifique. Ce que j'adore, c'est ce que disait Lorraine, c'est que tu vois, regarde, ils ont fait des petits parterres de fleurs sauvages là, pour la biodiversité, c'est vraiment magnifique. Pour la prairie écologique. Ouais, mais je sais, c'est des trucs de biodiversité maintenant que la,
la Fédé encourage. Ah bah merde, les blancs étaient là. Bon bah écoute. Trou numéro 3, handicap 1 du parcours, une mise en jeu tricky avec un green bien défendu par deux bunkers et deux plateaux. Le trou numéro 3 de mémoire, il faut faire un fade sur le bunker. Oui. Toujours un peu à gauche. Hein. Bon, bah, j'ai mis un drive correct. Je ne suis pas allé jusqu'au bunker, c'est le risque. Elle n'a pas pris de fade, elle a fait un petit draw. Il me reste 164 mètres au drapeau, sachant qu'il est complètement au fond. Je suis plutôt laillé correct dans le rough, donc je vais faire un fer 5. Ouah. Ah, bunker. Pas me faire rire avant de jouer, moi. Bon, bah, je suis dans le bunker. Il y a d'avoir pas mal de sable, un peu mou. Il y a effectivement beaucoup de sable. C'est du sable très fin, c'est, je pense, du sable de mer. Essayer de bien ratisser, hein. Pas pénaliser les gens. Tu vas ouvrir mon putter, du coup. Ça va. Pourquoi tu... Le mec, il m'amène mon putter, il est plus loin que la voiturette. Merci, Matt. Pas la bonne pente. Bogey. Trou numéro 4, premier par 5. Il faut faire attention de ne pas se retrouver coincé à droite parce qu'on peut ne pas forcément faire un bon lay-up et surtout une attaque de green tout en montée. Ah! Mauvais côté de l'arbre. Ouais. Oui, pour un lay-up, ça ira. Oui. Je sais pas pourquoi je bloque à gauche. Ça, c'est... Bon, alors, j'ai pris le tronc. Mais en vrai, je suis bien. Regardez, j'ai une belle ouverture. Non, mais vraiment, en plus. Je vais faire un fer 5, tu vois. Moi, je vais monter le pare-brise. Vas-y, monte le pare-brise, Matt. Mais en vrai, il y a vraiment beaucoup de place. Là, j'ai un vrai couloir vers l'avant. C'est un peu de chat, mais... Tu vois, je t'avais dit. Bravo, bravo. Merci. Allez, 109, 119 à jouer. Plein pitch. Quand le drapeau est rentré, j'ai plutôt joué un petit 9. Un peu long. Un peu long, je pense. Mais je joue long. Parce que là, il vaut mieux pas être court. Parce que si ta balle redescend, t'as quand même bien les boules. Les boules ? Peut-être ça fait droite-gauche, gauche-droite. Putain, ça monte bien quand même. Ah ! Trois putts. Trou numéro 5, un petit par 3, tout en descente. Ce qui est dur, c'est juger le vent et la descente en même temps. Un peu long, je pense. Un petit peu long. Allez, le plateau a passé. Droite-gauche. Oh non! C'est un bon lay-up! Ah, j'ai joué à mourir et elle est morte pile là où il faut pas. Non, la mise en jeu. Oh là là! Il manquait, mais que dalle par contre. Parce que tu vois, si elle faisait ça. Merci Matt. Vu comme il s'est plaint, ça méritait pas de faire birdie.
C'est donné. Bon, bah, ce que je disais à Matt, c'est que là, je suis plus 4 après 5. 4 bogeys, 1 par. Donc le jeu est plutôt pas mal, même si je fais quelques petites erreurs qui me coûtent des bogeys. En Grand Prix, je serais content, tu vois. En vrai, plus 4 après 5, bon, c'est pas dramatique. Pour l'objectif de break 80, il faut que je joue un peu mieux quand même. Allez. Trou numéro 6, un petit par 4. Un fer peut suffire au départ, mais si vous mettez un drive, il vous restera un wedge avec un green tout en pente. Non, ça va. Arrêtez par là. Quel talent. Bonne connaissance du parcours. C'est le truc qui est gênant, moi, c'est que j'ai le pain. 145. Il est un peu avec, ouais. 145 mètres. Moi, ouais, au drapeau. T'as combien, toi? Mais non, mais t'as flyé, toi, depuis tout à l'heure. Moi, j'ai 108, 111 sur les jeux. Mais je suis en yard? Non, je suis en mètre. Ah non, 114, mais pardon. J'ai pris derrière. Mais c'est... attends, tu sais que j'ai changé de Bushnell, c'est la première fois que j'utilise. Ah, voilà. Putain, bah heureusement. J'allais jouer plein fer 8. Ok, bon, il y a 110 à ma balle, quoi. Bon, allez, 110 mètres. Ouais, demi-pitch. Ah. Bah ouais, mais je t'avais dit qu'il y avait cet arbre qui me gênait. Ouais, ah. Ça a pas breaké. Bah double. Oh. C'est vraiment dégueulasse. Ouais. Bah c'est de la vase quoi. Non non, les poules je parle. Ah non, oh. Elles sont pas belles quoi. Regarde, bah non, elles sont mignonnes, regarde. Les poules tout ébouriffées. Parce que c'est des petits. Trou numéro 7, deuxième par 5. Un fer peut suffire à s'ouvrir et même peut-être l'attaquer en deux. Mais sinon le lay-up est le bon choix avec un green très très difficile, beaucoup de pente et beaucoup de boss. Merci. Regardez comme c'est beau quand même. C'est vraiment magnifique ce parcours. Ouais. C'est vraiment avec les, sympa. Les pins, les chênes lièges et tout, c'est vraiment magnifique. Allez, il me reste encore beaucoup de distance. Donc je vais faire un fer 4, histoire d'avancer et me laisser un wedge. Une prise un peu clean, mais bon. Ça fait le job. Reste sur le fairway. Ah, dans le rough. Bon, bah moi, j'ai chopé le rough. 89 mètres. En montée, vent avec. Ça va être 56, ouais. Parce que s'il n'y avait pas le vent avec, ça serait 52, mais là... Alors, je sais pas si c'est ça, moi, j'ai remarqué, mais ouais... Dès que je les tape en plein coup, putain, derrière ils sont plus à mettre spin. Alors que ah bah oui. Un tout petit peu moins d'intensité et puis il n'y en a plus. Bien sûr, c'est logique. Allez. Regarde la gueule du truc. Hop, ni vu ni connu. Putain, j'ai failli me niquer le poignet déjà à Digne-les-Bains, là, pareil. Digne-les-Bains, il y avait une racine sous le fairway. Je mets mon coup de wedge. Le wedge s'est arrêté juste après la balle, dans la racine. Alors moi, je suis sur une bosse. Gauche-droite, en descente. Allez.
Ah, c'était sûr. Puis tu vois, regarde, moi j'ai raté long, faut pas. Enfin. C'est dur, hein. Ah! Encore trois putts. Bon, bah, du coup, encore trois putts. Plus 7 après 7. J'espère régler le putting d'ici demain parce que là, c'est chaud quand même. Trou numéro 8, petit par 3. La difficulté, c'est d'être sur le bon plateau car deux plateaux très distincts. Donc 134 mètres. 134 mètres, t'as mesuré ? Ouais. Ouais, mais court. Ça ira, mais. J'allais dire, c'est plutôt cette zone où il faut rater, tu vois. Ouais, court devant, mais bon, ça te, ça te laisse quand même. Bon, je veux le voir chipper quand même. Parce que là, il a un chip. Attention, messieurs, dames. Allez, Matt. Dedans ou donné ? En vrai, ça va. Il est dur, mais. Ah la saloperie. Il a joué fine, il a joué fine. Dommage. Allez, un petit birdie là. J'ai aucune technique de bunker. Ouais. Je vais encore faire trois putts, j'en peux plus, j'en ai marre. Ben j'espère à un moment. Statistiquement. Voilà. Bah quand on le met dans la ligne avec la bonne vitesse, ça marche. Incroyable. Wow. Trou numéro 9, il faut faire attention à ne pas être trop long sur la mise en jeu parce que le hors limite derrière arrive très vite. La taille du green n'est pas simple non plus parce qu'elle est souvent à l'aveugle avec pas mal de difficultés. Allez, faire deux. Bon, peut-être un peu enfermé. Bon, bah, je suis bien enfoncé dans le rough. Bon, bah, j'ai 124 mètres. J'ai un lie compliqué. Je suis vraiment enfoncé dans le rough. Ça monte un peu. Donc, ça va être un plein fer neuf. Hein, parce que ça va vraiment pas être simple à sortir. Faut mieux pas être dans le ref. Hein. Ouais. Bon, bah, il me reste 35 mètres au drapeau. J'ai fait un peu moins de 100 mètres avec mon fer neuf depuis le ref. Comme je l'avais dit, il était quand même bien épais. Je vais faire une approche au 52. Faut jouer quasiment 45 mètres hein, avec la montée. Peut-être un petit peu long, mais c'était pas mal. Bon, ouais, j'ai fini. Fini un peu long, moi. Merci. Allez, là, putain. Rentrer un long putt. Se mettre donné, au moins. Oh ! Je la voyais revenir, je me suis dit, elle va être magnifique. Eh ben, bogey, plus 8 à l'aller. Bien. Solide. Allez, moins 8 au retour et c'est bon. Trou numéro 10, petit par 4, mais il faut faire très attention, c'est hors limite à gauche, ça peut arriver très vite. On peut vite être pendu en étant en face. Un green très long, donc avec des profondeurs dures à juger. Ah non.
tellement peur de la gosse sur ce trou. Genre, si tu l'envoies un peu à droite, je pense qu'il va être trop fond. Là, c'est un saut de champion qu'il faut faire. Il y a combien au bunker? 160, bah parfait, faut que je vais faire 6 depuis. Magnifique. Faire 6 en draw. Allez. L'avantage, c'est que j'ai les pieds qui sont plus bas, donc ça va aider à faire du draw. Regarde. Démarrer sur le bunker. C'est quand on l'aura pas pris de draw. C'est un bon shot. C'est un bon shot, ouais. Je peux peut-être faire up and down depuis là. J'ai trouvé la seule bande de fairway qui fait 1m50 de large. Ça, c'est du talent. Ah. Bon bogey. Ouais, bon putt aussi. Trou numéro 11, un magnifique par 5, la plus belle mise en jeu du parcours, je trouve, avec un magnifique pièce d'eau à droite et un superbe green, vraiment magnifique. Ça c'est bien. Magnifique. Ton plus beau drive de la journée. Ouais. Pas sur fairway. Si. Sûr que si. Enfoiré. Mais non. Elle revenait en fade. Ah, elle a passé la dernière butte. Attends. Oh. Ouais, non. J'y ai cru sur le départ de la balle, mais... Allez, 114 mètres. Bien en dévers. Et elle redescend en plus. Ah, c'est un bon shot. C'était un bon shot encore. Mais je fais que des bons shots depuis le début, mais je fais que des bogeys. Comment t'expliques, Matt? Eh ben, ça, c'est des petits lulus. Alors, j'ai pitché juste là. Il manquait 20 cm. Oh, c'est touché mignon, ça, Nicolas. Ouais, c'est pas plus mal. Ouais. Un peu plus risqué. Et ma part, incroyable. Le troisième de la partie, c'est bien. 129 mètres, demi-fer neuf. Allez. 5 mètres à droite du mât. Trou numéro 12, comme sur le trou numéro 8, le danger c'est qu'il y a deux énormes plateaux et donc le truc c'est de choper le bon plateau. Vol. Oui. Reste. Bien Nicolas, quel talent. C'était... Hop, attention. Ah non, c'est une blague. Il est con celui-là. Bon bah j'ai mis une très bonne balle, mais vous voyez la difficulté de ce trou c'est que là il y a le plateau du haut. Et là, il y a une énorme cassure. Et donc le risque, c'est que bah, si vous tapez ici, et spin un peu, et puis vous êtes en bas, et vous avez ce putt-là depuis en bas, qui est très très dur. Mais là, c'est bon. Bon plateau, c'est idéal. Tu vois? Le par. Il va me battre sur le... Il faut que je fasse le birdie, alors. Le petit testeur.
Tu mets pas dans mon dos. Ah putain. Terrible. Tu m'énerves. Allez, bogey, plus 10. Plus 10 départ du 13, franchement. Trou numéro 13, un monstre, 420 mètres pour un par 4, souvent vent contre, hors limite à gauche, piqué rouge à droite, un bunker, c'est vraiment un monstre. Mais à choisir, il vaut mieux rater à droite. Hein. Ouais. C'est piqué rouge, là-bas, c'est piqué blanc. Comment est-ce qu'on peut... Faut être relâché, pas stressé. Et s'entraîner un peu, ouais. Ah, c'est ça, hein. Allez. Bon, bah, comme je leur disais, chaque année, je leur dis je vais jouer en par 5, ce trou-là. Chaque année, je mets un bon drive, il me reste 200 mètres, du coup, je vais l'attaquer. C'est vraiment débile, hein. Allez, c'est pas grave. Ah! Allez, va dans le bunker toi aussi. Non! Non, ça va. Trop mal touché. Parfait. C'était pas mal celle-là. Magnifique! Un putt pour part. Birdie si on joue en par 5. Oh, ma bogey. Plus 11. Le cut l'année dernière était à plus 22 après deux tours. Donc là, il faut que je finisse dans le par. J'aimerais bien faire un birdie quand même à un moment. Donc là, on a un refuge de chauve-souris. Et en tant que commissaire Gordon avec ma moustache, je cherche la chauve-souris. Il est où Batman? C'est toi Batman? Moi c'est Batman. Petit par 4 où il faut faire attention à ne pas être trop long parce que le risque c'est de finir dans l'eau sur la mise en jeu. Une attaque de green un peu compliquée, pareil, il y a deux énormes plateaux, si le drapeau est au fond ou devant, il faut pas se tromper. Vas-y, bouge pas Victor. Tu me sers de ligne, c'est bien. Moi je vais quand même me barrer. T'as pas confiance? Un club un peu fermé. Ouais. Là, je pourrais, mais... Bon, c'est pas le jeu. Elle est partie un peu basse, quand même. C'était un peu dangereux pour ta tête, mais... T'es un peu grand. Matt, je pense que ça passait. Toi, t'es un tout petit peu trop grand. Avec le vent, ouais, plutôt bien. C'est un peu long ça, Victor. Plutôt bien face le vent. Hein. Ouais. Je vais quand même jouer le 52, mais. 52, mais pas non plus avec genre beaucoup de conviction, tu vois. C'est. Il y a moyen qu'elle soit courte. Bon, on verra. Allez. Ah, tu vois. C'est largement trop court. Non, même pas. Je reprends ce qu'il disait Yvan. Le drapeau là-haut, il est infâme. Et si t'es en bas, c'est comment? Je vais prendre le terme. Ah! T'es bon là si tu prends le terme. Allez, encore bogey. Plus 12. Trou numéro 15, un petit par 4, une bonne mise en jeu, laissera sûrement un wedge. Et puis surtout, c'est une des dernières occasions de birdie avant les trois derniers trous qui sont beaucoup plus difficiles. Magnifique.
le drive, pourquoi pas. Tu vois, je me suis reculé parce que je me suis dit, allez, pour en faire plaisir, je vais taper un draw ou taper un fade. J'ai mis 50 mètres. Ouais, normal, je mets un drive en draw. Toi, t'as mis un fer 4 en fade. Comme j'ai pu, déjà, s'il te plaît. Attends, passons du bon côté. T'as jamais fait de draw de ta vie. Si, si, moi j'ai déjà vu faire un draw une fois. Un peu long. Ouais. Ça sera plus beau avec le zoom qu'en vrai. Allez, comme je le pensais, j'étais un peu long. Presque 10 mètres trop long. Ouais. Si j'étais sur le green, ouais, j'étais juste de pas beaucoup, mais bon, écoute, ça fait un bon pas. On attaque ces trois derniers trous avec le trou numéro 16, un par 3 de 170 mètres défendu par un bunker à droite et deux plateaux diaboliques. Ouah non, j'ai glissé. Vol. Ah. Allez, bogey. Trou numéro 17, il faut faire attention sur la mise en jeu, parce qu'il y a de l'eau à gauche, mais il y a aussi des zones à droite qui sont difficiles, et puis surtout l'attaque de green avec cette pièce d'eau à gauche qui donne envie, il faut faire attention. Merci. 128. Demi-fer 9. C'est souvent que j'ai eu ça, le demi-fer 9. Elle était un peu basse du coup. Elle a pas bien pitché. C'était la bonne distance, par contre, tu vois, c'était... C'était un pitch, nom de Dieu, là. Non, 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 c'est... Non. Allez, une occasion de faire birdie encore. Oh là là, ah. Bah, pourtant... Encore trois potes. Et enfin le trou numéro 18 qui normalement se joue en par 6 quand vous jouez en amical, mais en par 5 en compétition. Donc un monstre de 525 mètres tout en montée. Vraiment pas simple. Oh non! J'ai voulu forcer comme un con. Je suis. Ah. Ça, c'est pas très intelligent, tu vois, Matt. Bon, le break 80, et je pourrais pas le breaker, de toute façon, je suis à plus 14. Mais par contre, il y a une fenêtre là, vous voyez. Et donc, je vais tenter cette fenêtre là au fer 2. Là, il faut faire une nosache. En vrai, elle est incroyable si je la passe. Le lie est bon déjà. Est-ce que tu peux juste avancer un petit peu la voiturette pour pas que...
Elle n'est pas passée là où je voulais, mais c'est pas pire. Allez, on continue les décisions intelligentes. Bois 3, slice C, avec la balle plus haut que les pieds. Il manque complètement le slice, mais bon. Je vais jouer du rough. Donc j'ai mis drive, fer 2, bois 3, il me reste 63 mètres. Je tape dans mes chaussettes. Allez! Ne faites pas ça en Grand Prix. Faites attention de ne pas faire bouger votre balle. En l'occurrence, elle a quand même pas bougé, mais on ne sait jamais. Allez, 63 mètres. Pourquoi pas, hein ? Et pourquoi pas ? J'essaie de pas prendre 3 putts, Nicolas. Ça va faire boguer, quoi. C'est bien, c'est quand tu mets un deuxième putt pour faire mieux et tu fais pire. Pire que le premier coup, je reviens. Eh ben, boguer. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée, donc j'ai pas pensé à faire d'outro pendant que j'étais au golfe de Seignos, mais c'est pas plus mal, ça va me permettre de vous faire un petit débriefing de mon Grand Prix maintenant qu'il est passé, et en même temps vous parler un peu des stats de cette reconnaissance et ce que ça m'a apporté. Donc, comme je le pensais dans ma vidéo, vraiment ce qui m'a manqué c'était le putting. Quand j'ai fait mes stats, j'ai fait 41 putts. C'est absolument considérable, hein, c'est énorme. Donc voilà, je savais que mon putting n'était pas bon, mais j'étais quand même assez confiant parce que je trouvais que mon swing était plutôt bien, la balle allait où je veux, j'ai pas raté trop de shots, enfin en tout cas, des shots qui m'ont coûté très cher, voilà, j'en ai pas fait. Donc c'était plutôt positif, ça m'a mis en confiance. Et donc pour mon Grand Prix, le premier jour, j'ai joué plus 8, donc ce qui est plutôt pas mal. Le deuxième jour a été annulé à cause des orages, du coup on est directement, il n'y a pas eu de cut, on est directement allé jouer le troisième jour. Et donc ce troisième jour, j'ai joué plus 4, qui est vraiment ma meilleure carte à Seignos, qui est vraiment une très belle carte, parce que c'est un parcours très difficile. Et donc j'étais vraiment très content, même si je suis un petit bogey 18, j'aurais préféré finir à plus 3. Mais voilà, petit regret, j'ai pas fait un seul birdie, ni sur cette reco, ni pendant mes deux jours de Grand Prix. C'est un peu mon regret, mais en tout cas, une fois, n'hésitez pas à venir faire ce Grand Prix de Seignos. Le parcours est absolument magnifique, même s'il est très dur. Je sais que beaucoup de bons joueurs n'y viennent pas parce qu'ils ont peur de prendre une valise, mais ça vaut le coup parce que vraiment, le parcours est beau, l'entretien est parfait. Et rien que pour ça, ça fait un beau challenge et je trouve que ça vaut le coup de venir jouer. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et puis à vous abonner, comme d'habitude. Ciao les amis !